À Lucerne, Victor Meyer. Son idée, faire du patin à glace sans glace. Je pratique le patin à glace depuis que je suis enfant, parce qu'on a des lacs chez nous et on a un centre de patinage artistique. Notre technologie Gleiss permet maintenant aux gens du monde entier de pouvoir patiner chez eux. Pas seulement dans les pays de tradition comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, mais aussi aux Caraïbes, en Inde, en Arabie Saoudite, vraiment partout. Si vous possédez une patinoire en glace naturelle, chaque mètre carré va consommer en moyenne autant d'électricité qu'un ménage. Ce qui veut dire qu'une patinoire olympique de 1800 mètres carrés consommera autant d'électricité que 1800 ménages. Avec notre glace Gleiss, on a éliminé l'entièreté des coûts liés à l'énergie et à l'eau. Nous sommes ici dans notre bureau. Cette surface est composée de matériaux de haute qualité, des polymères, différents types de silicone et quelques additifs. Elle est fabriquée selon notre formule secrète. Nos patinoires se posent comme du parquet. Elles s'assemblent avec des rainures et des languettes. Par exemple, vous pouvez construire une patinoire de 200 mètres carrés en 4 heures et celle-ci est assez grande pour que 40 à 50 personnes puissent y patiner. Une de nos patinoires, par exemple, de 200 mètres carrés coûte en tout environ 78 000 francs suisses. C'est à peu près 20% de moins qu'une patinoire en glace naturelle. Et l'entretien ne coûte absolument rien, alors qu'il y a beaucoup de dépenses pour une patinoire en glace naturelle. Nous avons vendu une patinoire au Maroc. Le matin, à 4 heures, nous avons commencé à construire la patinoire. À 8 heures, elle était installée. Et à 9 heures, les portes s'ouvraient et les enfants pouvaient commencer à patiner. Le concept de glace synthétique existait déjà, mais jusqu'à présent, il n'était pas accepté par les sportifs d'élite en hockey sur glace et en patinage artistique. Et ça nous a demandé beaucoup de recherches pour que les joueurs d'élite de la NHL et les patineurs artistiques disent « Oui, voilà, l'adhérence est exactement la même ». Il n'y a rien de plus beau que de construire une patinoire dans toutes sortes de lieux. Les enfants du voisinage sont impatients de pouvoir chausser les patins et de voir ensuite la joie sur ces visages. C'est exceptionnel et ça nous motive, moi, mon équipe, tous les jours.